Bonjour, je me présente, mon nom est Gilles Carmel. Bienvenue sur la capsule sur les deux banques de données. Sur le site web de l'Association des levasseurs, on trouve maintenant deux banques de données des levasseurs. Vous voyez on peut faire une recherche sur arbre Jocelyne ici, famille levasseur. Je vous conseille de faire tous les arbres. Les deux banques de données sont identiques à environ 98,9%. L'arbre famille levasseur, vous y trouvez de nouvelles nécrologies, tant sur les levasseurs que sur les carmels. Les nouvelles personnes des familles carmels des États-Unis et du Canada. Cet arbre est composé de 144 221 entrées. Elles sont mises à jour régulièrement. Je me concentre sur les carmels dans la base famille levasseur. Nous avons plusieurs souches en Amérique du Nord pour ce patronyme. En voici une liste non exhaustive. Les Carmels de France, les Carmels d'Italie, les Carmels de Russie, les Carmels d'Israël, les Carmels levasseurs, Pierre levasseur, ADN viking, les Carmels d'Audelin. Pour les levasseurs, les deux principales sont Pierre, ADN viking, et Laurent. D'autres souches, dont celle de Louisiane et celle des levasseurs de race noire de Floride, sont explorées. Vous trouverez photos et nécrologies de nos défunts. Quant à l'arbre deuxième, c'est l'arbre Jocelyne. Nous y trouverons de nouveaux arbres généalogiques ainsi que des ajouts et corrections du PRDH. Actuellement, 143 350 personnes s'y trouvent. Pour votre information, dans le PRDH, Programme de recherche en démographie historique, on trouve tous les actes de baptême, mariage et sépulture catholique du Québec ainsi que les mariages protestants de 1621 à 1849. Eh bien, c'est tout. Merci.